Tenko et c'est parti pour une vidéo prototype. Alors je sais pas si ça enregistre bien. Voilà. Donc une vidéo prototype en live où je vais essayer de. Enfin je vais me contenter juste de booster mes personnages. Et en plus je suis sur un personnage vraiment pourri, il faut que je fasse booster mes personnages. Il faut que je débloque le titre ultime de ce personnage. Et en plus je suis sur un personnage vraiment. Mais elle est déjà à fond, donc c'est déjà un avantage. Ah, il y a toujours de l'écho. Est-ce qu'il y a toujours de l'écho? Normalement j'ai coupé le son entre temps. Y a-t-il de l'écho? Oui, il y en a encore. C'est pas normal ça par contre. Attendez juste 30 secondes. Ah puis apparemment vous entendez pas le son du jeu non plus, c'est bizarre ça. Si, vous l'entendez? Ah mais je vois absolument pas d'où il peut venir cet écho, c'est bizarre. Parce que là, en gros, j'ai juste branché mon micro. Ah oui, d'accord, ok. Mais c'est probable que j'ai fait ça. J'ai dû l'ouvrir sur le PC où je tourne la vidéo. Voilà le problème. Hop là. Heureusement que je suis pas sur un truc qui pourrait donner mon rôle. Voilà, ça devrait aller mieux là maintenant. Dites-moi comment elles sont. Ah, il y a un écran noir. C'est peut-être le temps que ça charge comme j'ai mis en plein écran. L'écran est toujours noir. Le son du jeu par rapport à mon micro est mauvais. Ah ah. Le problème c'est que je crois que le son du jeu est déjà plutôt fort. Il n'y a pas un moyen d'augmenter le son là-dessus. Ah, il me semble que non. Excusez-moi, c'est un peu la galère. Leur explique, monter le son du PC, c'est un peu... Ça explique, je crois. Ouais. Alors, je connais pas bien le logiciel. Où est-ce qu'il faut que j'aille précisément? Dans... là-dedans, peut-être. Ah, je peux pas bouger. Il
une icône de son et une icône de son. Une icône de micro et une icône de son. Attendez, parce que je vois pas. Ah oui, c'est ça. D'accord, c'est ça. Donc là, il faudrait que je baisse mon micro, juste mon micro, c'est ça. Genre comme ça. Voilà. Ça devrait aller comme ça, je suppose. On va essayer, on verra bien. Qu'est-ce que je dois commencer par faire déjà? Bah, trois officiers à moins de 4 minutes du début de la bataille. Ok. Ah, j'ai pas regardé, c'est à 3 étoiles. 3 étoiles jaunes. Donc vous m'entendez mieux là? Il y a peut-être un décalage aussi entre ce que je fais et ce que je dis, c'est possible. Donc ce que j'ai l'habitude de faire, c'est de faire une des batailles à 3 étoiles jaunes, par exemple, en l'occurrence, au générateur de nombres aléatoires. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais jouer un petit peu comme j'ai l'habitude de faire. C'est une façon à moi de pas me lasser de tous les entraînements de personnages que je dois faire. Mais également, ce que je fais, c'est que je choisis une arme aussi aléatoirement, une arme secondaire. Oui, c'est un perso de merde, je confirme, KONG, franchement. Donc il y a 53 armes en tout. Voilà, donc je vais mettre à celle que j'ai tirée au sort. Donc 10, 20, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Ouais! Ça va vachement bien lui aller, ça va être un petit peu bourrin. Et ensuite, je choisis le skin d'une des. L'un des trois skins, donc soit ça, ou soit ça. Je vous explique vraiment ce que je fais, hein. Je sais pas. Parce que sinon, vous allez vous demander à ce que je fais par moment. Hop, donc ce serait. Une de ces deux-là. Ce sera celle-là. Alors, je vais mettre un petit peu les sauts que j'ai l'habitude de mettre. Voilà. On met la page un petit peu aussi. oui, bah, par contre, si j'oublie d'équiper l'arme, ça va pas trop le faire. Voilà. Et puis, voilà, bah, pour le moment, ce sera tout. Ah bah non, faut que je choisisse aussi une des batailles parmi. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5. 5. Alors, agrandir un peu mon screen régie, c'est-à-dire il y a des bords noirs, en haut et en bas. Oui. Ah oui, bah, à mon avis ça vient peut-être de mon HD PVR ça plutôt que de l'explique. Enfin, je suis pas sûr mais. Je peux toujours regarder hein. Cette vidéo est un gros prototype de toute façon. Alors, il faut que j'aille sur XSplit. Alors comment je fais pour arranger ça déjà? Non, c'est pas la résolution. Ah, je sais plus comment j'avais fait.
faire. Ah, c'est peut-être ça. Les bords de... Alors, attendez. Ah. Ah oui, c'est ça, d'accord. Ah, je crois que je suis au max, là. Non, ça doit vraiment venir de l'HDPVR. Parce que là, je peux voir rien. Ah si, je peux augmenter un petit peu, là. Bon, on va voir si c'est mieux. Ouais, ça change pas grand chose. Bon, c'est pas grave. Donc, je veux un nombre aléatoire entre 1 et 5. Donne-moi ça, j'ai 1. 1. Oui, hein. Donc je vais faire quoi? Je vais faire celle-ci. Alors oui, bah, j'ai fait le gros bourrin. Hein. J'ai fait dans toutes les difficultés. Parce qu'en fait, j'ai pour habitude de... Quand une difficulté n'a pas été faite, je choisis systématiquement celle-là en général. Ah, là, il n'y a que Nightmare qui n'a pas été fait, par exemple. Mais là, je vais jouer en normal, étant donné que le but, c'est plus de rusher qu'autre chose. Je sais plus ce que je dois faire, je regarderai sur la date. ペンシオ要する曹操と観光を有する。ロイヤーが激突戦として立った頃、天下に大一匹の竜が放たれた。ルローの陣君、劉備である。彼は曹操から命じられた。ピーポーはまだオンライン。 Hop, je zappe le dialogue. Pour le moment, ça nous intéresse. Elle est tellement petite que le truc il passe au travers du sol. C'est magnifique. Alors, je dois faire quoi déjà exactement? Je dois battre 3 officiers en moins de 4 minutes. Donc, on va foncer sur les officiers, on réfléchit pas au reste. N'empêche, Crony, cette âme, c'est toujours mieux que la vieille harpe de mer qu'elle a d'habitude. Franchement, c'est l'un des personnages les plus mousseux qu'il y a dans ce jeu. Dans ce... Mais ça va, sinon le stream, ça lag pas trop. Bon, cette arme ne me va absolument pas. Sinon. C'est mille fois trop gros. Je suis pas sûr par contre que ce soit des officiers au nord, je vais vérifier. Ouais, c'est des bases captain, c'est bien ce qui me semblait. C'est quoi l'objectif? C'est Jian Yong, je vais aller tuer Jian Yong. Ah, je sais pas s'il va passer le portail avec des as. Ça dépend de la taille de la porte. Si c'est une porte comme ça, là, ça va. Mais sinon, non. Oh yeah! Ok, suivant. J'ai même pas besoin de prendre des items d'ailleurs, étant donné qu'elle est déjà à fond. J'ai eu plein de points d'avance à dépenser pour les scrolls, donc c'est cool. Il va y avoir un petit officier sur la route, puis après je vais montrer la montagne. Chen Deng. Ah. Ça saccade lors des combats, mais c'est léger. Quand je combats, parfois on comprend pas ce que je dis. Ah, je fais de la concurrence à Sanji. Ok, bon, bisous. Est-ce qu'il y a quelque chose que je pourrais faire pour éviter que ça saccade lors des combats? Sinon, un peu au niveau du son, je pourrais toujours remonter
remonter le son de ma voix, je dirais. Est-ce que j'ai battu 4 officiers? J'ai pas compté. Oui, c'est bon. Donc maintenant, j'ai plus qu'à aller jusqu'au bout de la bataille. Toi, t'es sur ma route, je te tue. Ah, mais c'est bien, c'est un mezzo de mousse, ça. Regardez-moi ça. C'est quoi son secondaire, elle? Est-ce qu'il est débloqué son... Non, je sais même pas si j'ai utilisé tous mes skills pour les deux. Ouais, si. C'est un autre sauté ou... Non, c'est pas un autre sauté. Ah oui, c'est ça, c'est vrai. Je regardais ce que vous avez dit après, je vais rejeter jusqu'à la fin de la bataille et puis je vous parlerai pendant la cinématique que vous allez avoir à la fin. Il faut savoir aussi que je m'amuse à chaque fois que je booste un nouveau personnage à changer les costumes de chacun. Donc les costumes des personnages sont tous aléatoires, ils ont tous été tirés au sort, donc parfois c'est des costumes de merde aussi. Hop là. Petite habitude personnelle aussi, tous les 200 KO je change d'arme. Alors comment est-ce que cette porte? Ah oui, il va y avoir une catapulte, il me semble. Goji va nous amener une catapulte. Ouais. J'ai vu que Kroni a dit vivement Empires et il a bien raison. Alors, elle arrive cette catapulte. Ouais, on peut attaquer les portes du château. D'accord, quoi. Bon, après, je dirai en détail tout ce que vous avez dit, ne vous inquiétez pas. En même temps, j'ai pas l'habitude de l'utiliser. Ça doit être la troisième ou quatrième fois que je l'utilise. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Vous pensez que je devrais augmenter le son du micro ou pas? Un peu? Ok, je vais augmenter ça tout de suite. Alors, Kanu-dono, Kiko-tono tatakai wa mada owatte oran. Setsu ga shin ni Kiko o utsutao hodo no bu o kiwamere made. Un peu mieux. Jikan o itadakitai. Hop, voilà. Sawari no oto ni ii o katamukete kudasai.
ce qui 大事な音を聞き逃してはなりません。Oui, c'est bien, Kaiwenji, c'est bien. Voilà mon nouveau titre. Oh, puis j'ai beaucoup trop d'or. Il va falloir vraiment que je dépense ça, mais j'arrive pas à tout dépenser, étant donné qu'à chaque fois que je booste un personnage, je gagne plein d'or. Enfin, que je débloque ses titres. J'ai gagné plein d'or la fois où j'ai joué avec ma copine à ce jeu. On l'a rushé et complètement retourné pendant qu'elle était là. Et du coup, j'ai gagné vraiment beaucoup trop d'or. J'étais à fond, j'étais à 99 999. Bon, j'avais de quoi booster deux personnages sans rien faire en fait. Le problème, c'est qu'il y a quand même leur titre à débloquer. Alors, retrouve. Quand tu appuies sur triangle du cercle bleu, le cercle bleu, attends de voir un cercle rouge autour de l'arme et refait triangle, ça fait une attaque beaucoup plus puissante. Ok, je sais. Alors, donc j'ai changé mon truc, mon costume, je vais changer mon arme. Donc on va voir ce qui va être, ce qui va mettre, ce qui va être imposé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 17. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ouais! Donc j'aurai soit ce skin, 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 soit celui-là. Donc il y en a 6, normalement. Il y en a quasiment toujours 6. Ah bah c'est le numéro 1, donc je vais encore me retrouver avec ce skin-là. Donc il y a deux éléments, il y a ténèbres et glace. Ok, ce sera glace. Par contre, je veux pas ces trucs de merde. Voilà, je vais faire ça. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais faire également? Oui, donc je regarde le titre qu'il faut que je débloque, tout simplement. Trois officiers sans utiliser d'attaque mezu en gardant plus de 50% de sa santé. C'était quelle difficulté? J'ai pas regardé, je crois que c'était 5 étoiles jaunes. Non! Je reste là! Normalement j'avais déjà pris l'or. Ouais, 5 étoiles jaunes, c'est bien ça. Donc on a Ding Jun, Fan, Rukzuku. L'une des trois. Je suis tombé sur le château de Fan, donc laquelle? Celle-là, côté Wu. Ouais, c'est bien parce qu'en plus, côté Wu, il y a une phrase propre à chaque personnage. Elle me remet. Alors, mais non, sort pas, j'ai une aussi. Il a tendu la perche, hein. De quoi vous parlez en fait? J'ai pas suivi. Je me mets en normal encore. Non, j'ai rien compris. Bon, peu importe. C'était quoi déjà? C'était 3 officiers en moins de... Non, 3 officiers sans utiliser de mezu. C'est juste ça en fait. Et 50% de sa vie, moi, je les conserverai sans problème. Il y a pas que je vais me faire. D'accord, ok. Mais il y a d'ailleurs un message qui n'a pas été posté, monsieur. C'est pour ça que je l'ai pas vu. Enfin, qui n'a pas été posté sur mon écran à moi, hein, j'entends bien. Alors, 2,
ça va aller très vite en plus, la bataille se termine assez rapidement. Ok, bon, les Voltron, j'ai tué ces crétins là. Hop, changement d'arme, j'avais pas vu que j'étais arrivé à plus de 200. Change, crétin. Oh, puis on l'a flemme d'aller tuer l'autre qui est là-bas. Je me débarrasse de Guan Yu et on avance. Que j'en termine avec ce personnage de merde. Et après, je dois entraîner Lu Jiaxu sur Warriors Orochi. Donc, je regarde un petit peu vos messages. Alors, bon appétit, monsieur. Ouais, c'est vrai, c'est comme je voulais qu'il fasse le château de Hefei de Dynasty Warrior 3. Les trucs inutiles, ouais, d'accord. Je ferai ça, bon, peut-être pas cette fois-ci, parce que ça va m'obliger à m'en occuper pendant le stream, mais la prochaine fois, je le ferai. J'aimerais un maximum de choses. Ah ouais, le château de l'effet de Dynasty Warrior 3, c'est l'une des batailles dans laquelle j'ai le plus de bons souvenirs. Allez, bonne nuit, je t'aimerais. Encore. C'est le premier que t'as fait, Sigonard, bien sûr, en 3, non? Ah merde, paix à son âme. Moi j'ai commencé par le 2, mais le 2 j'ai pas aimé. Et c'est vraiment quand j'ai attaqué le 3 que je suis devenu fan en fait. Ouais, Kai Wenji en blonde. Ouais, j'ai toujours Dynasty Warrior 2 aussi. Enfin, je l'ai réacheté pour la collection en fait. C'est vraiment la seule raison pour laquelle je l'ai réacheté. Parce que je l'avais revendu quelques jours après l'avoir acheté la toute première fois. Je crois que j'avais 11 ans ou 12 ans à l'époque. Alors je devais avoir 11 ans parce que j'habitais encore dans mon ancienne maison. Donc, alors, l'arme secondaire sera... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Épée et bouclier. Donc il doit y avoir 6 skins comme d'habitude normalement. Ouais, 6 skins. Je choisis l'un des 6. Voilà, ce sera ce skin là. Pour le moment, je suis pas tombé sur trop d'armes à la con, ça va. Donc le prochain titre à débloquer se fait dans une bataille à difficulté 2 étoiles rouges. Je dois battre 100 ennemis en moins de 2 minutes sans utiliser d'attaque mezu. Il y a quand même quelques améliorations qui font quand même que je préfère jouer aux opus récents. J'ai quand même du mal à jouer aux trois persos maintenant, mais c'est vrai que bon, comme c'était le premier, le
le premier que j'ai apprécié, c'est peut-être sur le 3 que j'ai vraiment le plus de bons souvenirs. Oui, Xerès. J'ai pas aussi connu. 1, 2, 3, 4. Ok, je dois faire celle-ci. Je la fais en normal. Donc c'est 100 ennemis en moins de 2 minutes, 109 je crois. Oh, il y a le 2 aussi, hein, Sigomart. Le 2, je me souviens, il y a quand même des batailles où c'était galère. Hein. Il y a le 4 aussi, avec Extreme Legend, quand on doit essayer de débloquer les 5e armes, je sais qu'il y a 2 ou 3 5e armes que j'ai jamais été capable de débloquer. Ouais, Xerès. Ben, au pire, tu peux dire wow, des gens qui meurent. Ah, c'est bien ça parce que je vais quand même vérifier, c'était bien sans ennemis en moins de 2 minutes. Et j'ai pas le droit de le Et voilà, sans aider. La boucherie. C'est un jeu qui plairait parfaitement à Sylvie. D'ailleurs, Xerès, tu étais présente pour l'épisode final de la Founders Company ou pas? Et il a du mal à mourir du Wansanji. Ah ouais, bah, on y était aussi avec ma copine, on a dû se croiser sur le... Ah, le quiz du chaos, non, j'ai pas vu grand personne. Ah non, c'est dimanche. C'est dimanche que j'ai vu l'épisode final. Ils l'ont passé jeudi aussi, je savais pas. J'ai regardé vaguement les programmes de jeudi et vendredi. Mais j'ai surtout regardé celui de samedi et dimanche.
初から行ってくれればいいじゃん。いい働きをしましたね。私たちも奮起して答えましょう。強撃を仕掛けます。Le visiteur du futur, je l'ai croisé par hasard, j'ai pu prendre une photo avec lui, c'était cool. Alors je vais rusher un petit peu la fin de la bataille, hein, vu que normalement j'ai réussi. Hein. Ouais, c'est bon. Donc j'ai plus qu'à tuer Rengo deux fois. Parce que faut que je le tue là, et puis il faudra que je le retue au nord après. Ah, on a le saut. Voilà. Vous allez peut-être avoir un petit bug de son. J'en ai eu un perso. Oui, j'ai eu de la chance, c'était vraiment un gros hasard en plus. Samedi matin, je sais pas qu'est-ce qu'on a galéré. En fait, samedi, on aurait dû rentrer samedi matin normalement, mais il n'y a que des yo. Son copain et Dylan qui ont pu rentrer. Moi j'ai pas pu parce que je devais attendre justement l'arrivée de ma copine et je devais rentrer illégalement à la Japan Expo grâce à des badges. Donc il y a un mec qui faisait partie du truc qui devait nous faire passer comme ça. Le problème c'est que le mec au dernier moment il a plus voulu nous faire rentrer. Donc en gros il avait fait rentrer Deyo, c'était son ami, c'était cool. Moi, il m'a pas fait rentrer. Du coup, non seulement j'ai dû payer plein pot, donc c'était 18 euros ce jour-là, je crois, les deux jours. Donc j'ai payé trois fois plus cher que ce que j'avais prévu. Heureusement que j'avais un peu d'argent d'avance. Et en plus de ça, il a fallu que je me tape la file d'attente. Donc je suis pas rentré avant, il était 13h quand je suis rentré. Bah à la base, je voulais même pas spécialement cheater, hein. C'est Deyo qui a proposé ça, et puis j'ai dit, bon, bah écoute, pourquoi pas. Et puis voilà, je l'ai accepté, mais à la base, je pensais prendre plutôt les places sur Internet directement, comme ça je pouvais rentrer sans trop de problèmes, et puis c'était réglé. Et du coup, c'était complètement baisé. Allez, comme je te disais, c'est vraiment ce que je comptais faire, acheter le ticket avant. Mais si Deyo n'avait pas proposé ça, j'aurais sûrement choisi cette solution-là. Alors. Ah, je suis en mode écolière. Enfin, je suppose que c'est une tenue d'écolière, j'ai un doute. Peut-être de prof plutôt en fait. Non, je m'en fous de ta gueule, stratégiste. Alors, donc là, maintenant, qu'est-ce que je dois faire? On va commencer à passer en hard. Donc là, il faut que je sois forcément en hard dans une bataille à 5 étoiles jaunes. Et je dois battre 4 officiers en conservant plus de 50% de ma santé.
Donc, pour le moment, pas de soucis, c'est toujours facile. Rebonsoir, monsieur. Alors, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ah bah j'ai l'arme de Kaoren, donc elle a que 3 skins normalement. Ouais, elle en a que 3, c'est bien ce qu'on semble. Donc on va choisir l'un des 3, aléatoirement comme toujours. Le numéro 3, donc celui-ci. Ah, ok. Oui, bon, pas c'est bon. Donc c'était 5 étoiles jaunes, je regarde vite fait. Ah c'est encore ici. C'est quoi déjà les conditions? 4 officiers. Bon allez, je vais choisir pour une fois mon Bing Jun. Je vais le faire du côté... Je vais le faire du côté chou vu que je l'ai pas fait dans l'ordre ici, ce sera fait. Ouais. C'est vrai que j'ai. Bah, du coup, je l'ai vu après l'épisode avec Fanta et Bob, mais c'est vrai qu'il est pas mal. Tu sais, Tenko, 5 étoiles jaunes. Oui, oui, je sais, Sigomar, t'inquiète pas. C'est juste que ça me permet de pas avoir à choisir sur une palette trop large. Parce que sinon, je ferais ça au générateur de nombres aléatoires et ce serait trop long. Mais normalement, d'habitude, quand j'entraîne un personnage, il est pas tout de suite avec les stats à fond, forcément. Là c'est exceptionnel et d'habitude je choisis vraiment ma bataille au hasard, que ce soit tout mode confondu, pas forcément que un mode légende. Il peut y avoir le mode légende comme le mode histoire et le mode conquête. Et moi j'ai l'habitude de m'organiser d'une certaine façon pour que ce soit à peu près équitable entre toutes les batailles. Je vais rusher sur les officiers tant qu'à faire. Bon, on va aller du calme, le vieux. Il va avoir une crise cardiaque. Son arme au générateur de nombres aléatoires, des fois on tombe sur des trucs qui vont pas du tout. Normalement les conditions de la bataille c'est quoi? C'est battre KO. Ah ouais mais il est pas là. Ah oui d'accord, c'est pour ça que j'aurais peut-être dû choisir côté way finalement. Mais bon, c'est pas grave. Faut attendre KO en fait et il est pas encore arrivé. Ah c'est 4 officiers. Ah bah ça y est, il est là. Ah ouais, ça fait rapide. Bon bah voilà, je vais t'achever KO. Voilà. Hop. Qu'est-ce qu'il y a? Un gros corps? Ah,
Ouais, je t'achète. Putain, il est tellement mousseux ce Mezu qu'il a même pas réussi à acheter KO KO. Oui, c'est horrible. Il a toujours apparu quand tu vas dans le camp principal. Ouais. Là, je pense qu'il est surtout apparu parce que j'ai tué. J'ai tué Xiao Yuan. Et voilà, j'ai plus de coca, c'est triste. Bon. Merci l'empereur. Je suis une ministre de l'intérieur. Tout à fait. Alors, en KO à 3 étoiles rouges, 3 officiers en moins de 3 minutes sans utiliser d'attaque ou même rouge. Alors là par contre je commence à arriver dans le chaos, donc quand j'arrive commence à arriver dans le chaos, j'équipe cette arme. Même si je devrais pouvoir m'en sortir sans, à mon avis, je devrais pouvoir encore, mais bon. Donc pour les deux prochaines batailles, j'utiliserai donc cette arme en secondaire. Je vais également changer mon costume. Voilà. En mode fantasy avec une cape. Donc c'était 2 étoiles rouges, c'est... Non, c'est bien 2 étoiles rouges, je sais plus. J'ai une mémoire poisson rouge. 3 étoiles rouges, heureusement que je vérifie. Bon, on va faire 12 ans, mais on va pas s'emmerder. Oui, Kai Wenshi en Wenyu, ça va piquer un peu. C'était quoi les conditions déjà? Oh là là, c'est vrai qu'à chaque fois j'oublie. J'en ai fait de relire au passage parce que j'ai juste lu 3 officiers en moins de 3 minutes. Ok, faut rusher. Donc moi j'ai intérêt à mettre l'arme de bon niveau en fait. Comme ton cheval, tu pourras plus vite à pied. Je mets des skills de vitesse, du coup le cheval, si c'est pas éclair de feu, il sert à rien. Même éclair de feu, c'est limite. Arrête de te protéger! Enculard de peur! J'ai pas de temps à perdre, j'ai 3 minutes pour enculer de temps. Yo Mao, à toi. Oh yeah. Oh yeah. Suivant. Yao Yu. Pas ta Yao Mo. Voilà, voyons voir si c'est bon. Victoire. Bon, ça va, c'était facile. Maintenant, on rush sur Sima Yi et c'est... Si, il est sad avec beaucoup plus que toi à mon avis, gros corps. Ah, c'est magnifique. バカメガ! バカメガ!
めてみせる。Un vaisseau équipé. Attends, je montrerai ça après. C'est des vaisseaux que j'équipe quasiment toujours les mêmes en fait. Enfin, même toujours les mêmes. Ça dépend après du nombre de slots que j'ai sur l'arme. Alors. Vaisseau. Voilà, j'ai Mezu plus 1, Walking Speed Up. Synergie, non je veux pas synergie d'ailleurs. Voilà. Double element plutôt donc. Officer assassin et combat résistance. Pourquoi j'ai combat résistance? Baf. Ouais bon. De toute façon je laisse comme ça. Les sons ont plus tellement d'influence sur le combat au niveau où j'en suis. Donc, bataille finale, je change juste mon costume, je garde l'arme que j'avais. Ouais, je suis en sorcière, oh yeah. Elle a même une citrouille au bout de son chapeau. Par contre, j'ai pas regardé ce que je dois faire. Ça peut être utile, accessoirement. Cet officier gardant plus de 50% de sa santé. En chaos, bien sûr. Donc, cet officier, vous savez quoi, je vais refaire encore une deuxième fois cette bataille-là parce que c'est vraiment la plus appropriée, je trouve, pour débloquer les titres ultimes. Elle est facile à rusher, il y a des officiers partout. J'ai du temps en fait pour le faire ou pas? Il me semble que non. Non, j'ai même pas de temps, vous voyez. Je vais les trouver sans problème les 7 officiers sous cette bataille. J'ai dit KO, je pensais Nightmare quand j'ai dit KO, désolé. Quand tu mets double element, quand ça met élémentaire attaque, tu ferais plus de mal. Ok, bah j'y penserai. Ah Liu Shan, le petit crapaud. Il y a vraiment une tête de crapaud. Kore ga watashi no saimo no tatakai to naru de shou. Tono no hi ga. Oui, Kenji Des. C'est le truc que je retiens à chaque fois de cette bataille. Kenji Des. J'ai tellement fait suivant. Yeah. Wow, doucement, je vais garder quand même plus de 50% de ma vie. Alors m'attaquez pas trop vite. Alors là, pour ceux qui se posent la question, si je perds pas beaucoup de vie, c'est parce que je draine la vie de mes ennemis. C'est pour ça que je dis cette arme. Suivant. Ouais, je suis frappé dans le mur, c'est vrai. Comment il gueule tous. Je sais plus si j'ai droit au Mezu, il faudrait que je vérifie quand même, parce que si je me fais enchaîner, ça peut être utile. Ouais, j'ai droit au Mezu, donc ça comme ça. Bah plus Xerès si t'es pas déjà parti. J'avais pas vu d'ailleurs ce message.
Oui, femme de ménage. Bah, après tout, la bataille des plaines de Wuzhang, c'est juste un conflit entre femmes de ménage. Hein. Oui, je peux pas infliger de dommages. Ça me fait combien d'officiers là? J'en ai battu 4 ou 5, 5 je crois. Yo le défense capitaine. Yo. Il y a tellement de monde qu'il apparaît même pas. Ok, super. Bon, au pire, je vais aller au centre. À 7 ou pas? Oui, c'est bon. Alors, par contre, dites-moi, monsieur Crony, si vous êtes toujours là. On peut changer le titre
le titre du jeu auquel on joue, c'est ça, non ? D'accord. Faudrait que je fasse ça juste après, mais je le ferai depuis l'autre PC de manière à ce que vous n'ayez pas à voir l'écran d'internet et tout ça. Bon, maintenant que j'ai terminé la bataille, je vais m'occuper juste là. Alors, faut cliquer sur le piano. Table of Mort, de toute façon, je vais passer à Warriors Orochi 3, donc je vais modifier le nom du jeu maintenant. Queen! Elle est devenue Queen! Donc, bah voilà, je crois que j'ai tout fini. Je fais une sauvegarde dans le doute. Hop. Ça se fait pas chier, n'empêche, KYNJ, hein, parce que une fille d'une inutilité pareille qui devient queen, sans déconner. Faudrait que je l'installe, ça, un jour. Warriors Orochi 3. Ah bah c'est mon personnage préféré de Samurai Warrior, donc ça m'arrive de l'utiliser. Mais bon, en général, je respecte tellement le hasard ou les persos qui me sont imposés la première fois que je joue pas forcément tant que ça avec mes personnages préférés. Je joue souvent avec les persos que je m'impose avec l'aléatoire. Je vais regarder vite fait pour modifier donc, le titre. Ah, c'est pas bien, monsieur Frony. Il va falloir vous y mettre. Alors, attendez juste 30 secondes, je vais juste... modifier donc, le titre de la... pas du jeu auquel je joue, donc dans tableau de bord, dans un nouvel onglet, parce que sinon ça va me faire quitter la page du chat et je ne vais plus parler. D'accord, donc il faut que je me mette en play, en play, en joue, je suppose. Et le nom du jeu, Warriors Orochi 3. Voilà, je suppose que ça a marché. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un truc comme ça à faire. Bon. Non, pas Kaopi.
Donc le personnage que je vais booster aujourd'hui, c'est Jaxu. Alors, où est-il ? Et les autres persos qui m'accompagneront la plupart du temps seront aléatoires, mais d'abord je veux vérifier quelque chose. Déjà, je change mon perso, pour la forme, s'il vous plaît. Ensuite, donc Jaxu doit être pote avec Kanbe, Motonari, Ginchio et Dianoue. Il est déjà un petit peu pote avec Motonari et Ginchio, il faudrait que je monte les deux qui sont en retard, donc Kanbe et Dianoue. Donc, dans mon équipe, je veux forcément Kanbe. Et un personnage aléatoire qui sera Yu. Putain, je l'ai jamais utilisé à l'époque. Oui, Jaxu est choisi au hasard, Sigomar. Je l'ai choisi tout à l'heure quand j'étais en œuvre. D'ailleurs, en parlant de salon de thé, Jaxu va aller y faire un tour. Il va offrir un coup à boire à son pote Kanbe. Alors, Kanbe. En plus, il est pas très loin de. Je sais même pas si ça vaut le coup ce que j'ai fait, mais c'est pas grave. J'ai tellement de points d'avance en même temps. Ensuite, il faudrait que. Ah oui, alors j'ai peut-être des points d'avance aussi. Ouais, j'en ai pas mal. Je vais les donner à Yu Ying et à Kanbe histoire que j'utilise pas tout sur Jaxu et que je l'entraîne pas trop vite. Genre je l'ai fait monter à niveau 15 tous les deux. Et toi, bah tu prends tout le reste. Voilà. Alors je vais aller voir le vendeur d'armes aussi. Alors j'ai accumulé 35 tickets, hein, c'est parce que je les utilise jamais, parce que ça me gonfle tout simplement. Par contre j'ai plus de cristaux et ça pue du cul. Je sais même plus comment on les obtient les cristaux. Tu sais, Sigoma ou Chrony? Apparemment, j'ai déjà acheté Frog's Tongue. Donc la langue de la grenouille. Très moche avec une traduction française quand même. La langue de la grenouille. Pour avoir les cristaux dans Warriors Orochi. Je sais plus comment on fait. Juste faire des batailles. Ah, c'est que j'ai fait depuis quelques. Enfin, il m'a fallu 3 jours en fait pour faire toutes les DLC en repart que j'avais. Parce que j'ai pas joué non plus à fond, hein, sinon je les aurais finis en une journée peut-être. Mais j'ai pas obtenu un seul cristal en fait. J'ai obtenu que des gemmes. Alors, je fais pas trop attention aux attributs que je mets quand je fusionne. Hein. Je mets juste des attributs comme ça. À la limite, il y en a quelques-uns que je sais qui sont pourris, que je ne mettrai pas, mais encore. Généralement, j'ai pas trop envie de m'emmerder avec ça. Je fusionne et puis point barre. Après, eux, je m'en fous un peu. Petite chose. Il faudra que j'achète donc ça, même si c'est de la merde. Et il faut 5 cristaux. Ouais, c'est random. Bon. J'espère que j'en obtiendrai facilement. On verra bien. Alors. Voilà, donc. Il faut juste que je fasse un petit truc pour moi-même, pour pouvoir choisir aléatoirement mes batailles. Run, Void, Frenzy, Destruction. Ouais, j'ai même pas envie de m'emmerder en fait. J'ai envie de fusionner vite. J'ai envie de pas trop perdre mon temps dessus.
je sais pas si je le ferai, si je ferai attention à ce que je viens de dire. Donc je sais que quand toutes les batailles qui sont réunies là de ce côté-là, plus dans les DLC les 4 là, ça faisait 64 batailles. Il faut que je compte les batailles supplémentaires qu'il y a. En sachant que là c'est le même champ de bataille, quand il y en a 3 en fait c'est le même champ de bataille. Donc je vais essayer de compter ça à ma façon. Donc ça ferait 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81. Donc il y a désormais 81 batailles dans Warriors Orochimaru. Donc je vais noter ça dans mon bloc-notes, histoire de pouvoir retrouver ça rapidement au GDA. Et je viens de tirer au sort la bataille numéro 40, qui est la bataille du Nanzong. Ah, c'est... Alors comment je le sais, c'est parce que je note au fur et à mesure sur mon bloc-notes. Sinon c'est chiant. Alors je lis un petit peu ce que vous dites. En KO World, ça donne 2 cristaux. Ouais, mais il me semble avoir eu quand même des cristaux de temps en temps en normal quand même. Alors pareil, je fais toutes les difficultés dans l'ordre, donc des fois ce sera complété. Ah oui, mais là il faudrait que je fasse KO. J'aurais pas le niveau avec mes persos. Juste au cas où. Je vais tenter en hard, mais je vais pas faire en KO pour l'instant. Allez. 九州の戦いで、あ、ねえ、はっはっはっ、あ、し、あ、putain、on voit vraiment que Yuning, elle a pas servi la pauvre petite. Elle a même pas d'objet, quoi. Yunfeng et Kimerashi. Je vais mettre les trucs. Je vais mettre ça, mais je mets pas 30% de ma santé parce que je suis pas sûr de rester au-dessus de 30%. Ensuite, c'est tout. J'aime bien Kai aussi. C'est parti. Bon, ça va, les simples ennemis sont pas trop forts, on va voir ce que donne les officiers. Jamais. Ça va, ils sont pas trop forts non plus. C'est juste qu'en fait, j'enlève pas mal de vie, mais je pense que j'en perds pas mal aussi. Merci. Au revoir. Hey, Kaguchi. Saki, qui s'est bien ta photo d'accord. La possibilité du random dans la musique. Oui. Oyakata-sama, tasukerarenai. J'adore tout ce qui est aléatoire, j'avoue. Bonjour, Ujiyasu-sama. De gozaimasu ne. Le fait de pouvoir choisir mon perso aléatoirement aussi, enfin mon équipe aléatoirement entièrement. C'est cool que ce soit l'origine dans le jeu parce que ce serait chiant quand même de tirer au sort parmi 120 persos, voire plus, je crois que c'est 130. Ah.
敵倒せ。あれ、アメルジョーラ。あ、そうだ。カズチさ、そのさま付けなんとかならない？あ、possible。Ouais, mon son est moins fort. J'avais enlevé ça pour mettre les voix plus fortes, mais ouais, je l'aime pas. Mais je crois que je peux pas faire beaucoup mieux en fait. Stasito, Adana de Yobu, t'es là déjà? Kaguchi, mo, Atasio, Adana de Yobu Koto. On passe peut-être pas par là en fait. C'est un peu. Kaichi.距離は稼げたみたいね。ちょっと休憩しよっと。でこれ、大きいヘビ出た。リュウビン消えた。我リュウビ探して怪我した。猛客我リ助けた。だから。われ、合格、助ける。ドッキリ言ってるのか。あ、もう、d'accord。J'aurais mieux fait de changer de perso。J'aurais dû m'en douter qu'en hard j'allais me prendre un bin. Avec des pauvres level 20.Alors, bah du coup je vais juste changer à Yuying parce que faut que je garde quand même Kanbe avec moi. Avec Zeoba c'est pas forcément mieux. Je vais changer les costumes un petit peu. Et qu'est-ce que je voulais faire aussi? Bah rien d'autre parce que de toute façon c'est comme si j'avais pas fait la bataille, que j'avais juste fait les préparations à Pylos.Et puis ben, je vais retirer ça. Ouais, gros fail. Là, j'ai vu ça, ouais, elle a l'air pas mal, la nouvelle arme de Zéopa, la future arme de Zéopa. En fait, ce que j'aurais dû faire, Sigomar, c'est pas forcément prendre un personnage speed, mais un personnage qui avait du mezu pour que je puisse m'en sortir un petit peu.Et j'ai fait l'erreur de garder un personnage sans défense, quoi. Parce qu'au moins un mezu, ça me permet d'avoir une petite chance de s'en sortir. Donc, la bataille numéro 20, c'est la bataille de Nanjun. Ça doit être quelque part. Ah, c'est là. En hard encore. Ah ouais, attendez, parce que... C'était 3 étoiles aussi.Ouais, je vais peut-être en chier pareil, mais je vais retenter quand même. Je m'en fiche si je me fais. かつて南軍の地に弓の名手がいたと。しかし、押し寄せる妖魔の大軍と戦い、以後の行方が知れなくなった。孫、いや。Xioba, il a quoi quand même, il a la bonne arme?Et c'est parti. La musique qui correspond pas du tout. Ouais. Yumi のおっさんのせいで手こずったが、やっと追い詰めたぜ。あとはその砦を落とすだけだ。やっちまえ。メス。やはりよ。敵
者を打ち取った。これはOui, c'est ton papa. C'est ton patronier. Je laisse la cinématique hein, pour le fin. Dommage que les costumes des personnages ne restent pas ceux qu'on leur a mis. Mais Xiaoba, c'est un ouf. Comment tu t'es créé ta cote d'âge? Ça commence à sentir le foin, hein. Je sais pas ce que vous avez pensé. Je vais pouvoir utiliser une triple attaque, ça pourra me sauver, je la conserve pour l'instant. Ouais, ta gueule, Yuki. Oui, bah la prochaine fois je passerai peut-être en normal. En fait, ça dépend si j'ai rempli la piste du tout ou pas. C'est bon, je pense que si je me démerde bien, je pourrais m'en sortir, hein, y'a pas de soucis. Faut juste que je gère un petit peu mon équipe. Quoi. Ce qui est con, c'est que je suis quand même censé entraîner Jaxo, et du coup, ça m'oblige à utiliser les trois. Bon, normalement, j'utilise les trois aussi d'une certaine manière, mais ça, je vous l'expliquerai plus tard, la façon de varier les persos. Ça ressemble vaguement à la façon dont je lave les armes dans mon digestion. Oui, non. Il y a la porte de la garnison centrale qui pourrait s'ouvrir par là-bas. Je vais me diriger tout de suite. Don-san, ne me laisse pas. Ouais, dans Empires, Ganin aura le fléau. Et j'ai vu qu'apparemment, c'est dans un manga, Ganin a vraiment un fléau en fait.
tout veux. Enfin, Ganning en 3 épisodes, il a changé combien de fois d'armes. Il est passé, il avait l'épée à la base. Dans le 6, il a eu 2 dagues. Là dans le 7, il avait donc l'arme que Jack supporte justement actuellement. Et dans le 7 on fire, ils vont nous mettre donc le La triple attaque est encore, mais c'est pas bien. C'est les ajouts pour l'instant. Voilà, bête de son. Bien. On va peut-être pouvoir avancer maintenant. まさらだが前は親子だ。いけない。いやいやいや。あと数年したら俺もああなりますって。想像できねえな。メス。ゲストル。 その調子で頼むぞ。ああ、ちょっと失礼。はい。では、今ちょっと見つけてください。あ、あ。Putain d'écran! Pas faux, Kwan-Yi, ouais. Je me fais avec le fléau, ça va pas être mal. Ouais, c'est vrai que donc Zou a changé beaucoup d'armes aussi en quelques opus. Ça cherche ton Zou à fond, quoi, parce que sinon tu vas avoir des emmerdes. Zéoba avec le fléau, ce serait moche. Ok, je suis dans la merde. Je crois qu'il va être temps d'utiliser ma triple attaque. Il est où l'officier? Parce que ce serait bien de le goûter quand même au passage. Et visiblement, il y a tellement de monde qu'il apparaît même pas. Un level up, tant mieux. Moi j'ai dû le tuer aussi. ここで増援かよ。売り手がぶり。心配すんな。こういう時の備えはしてやるさ。最下手、出ろ。 お、 やるな、孫一。 ここで食わせろ。
tiens les gars. あんた天下無双に受けてるぜ。まあ俺の次だから。せいぜいあがくがいい。敵将打ち取った。ヘッソル。張り切ってんなおい。キャンデイ、どうしてるの？ou alors c'est à cause de son level, je sais pas, mais... La préface de Jatsu à Kande, je sens quand même la violence de... Alors là, il y a une solution qui est complètement cheatée. Hop, interim save. Et comme ça, là, je vais sûrement mourir, je peux pas l'éviter. Mais quand je vais charger la partie, il sera pas en plein mezou, et du coup... Ah non, je suis pas mort. Et du coup, j'aurais eu une chance de m'en sortir, mais de toute façon, je m'en suis sorti. Donc, ouais, je vais jouer le personnage parce que là, flèche perdue, moi. Non. Tiens, mange ça dans la gueule. T'en veux un autre? Ça, c'est bien. C'est bon, on l'a sauvé, la petite sœur de l'eau. Ouais, ça c'est bien, mais dans le Destroyer Set on Fire, ça sera encore mieux. まだ砦を落とせねえのか。仕方ねえ。俺様が出るか。おお、親玉が出やがったな。ちょっくら行ってとっちめてやっか。あ。Oui, je viens de voir ça. Putain, des mécènes à la con. C'est pour ça qu'il faudra que je l'enlève la prochaine fois. Et ainsi que d'autres programmes. Zéouba qui est level 13 contre le... Ouais, il est level 13, Kande est level 15, malgré qu'il ait deux niveaux de plus, c'est quand même Zéouba qui enlève carrément plus avec son jeu. Oh, Kande arrière. C'est que ça va vers le point principal tout ça. Je sais pas si c'est bien. Puis dada. La justice fait que les bons persos rechargent. Je prends Kanbe le temps que je suis à cheval. Oui. Ah. Oh putain, oh putain, triple attaque. Ah, je vais te calmer toi. Je vais
vais mourir dans la mesure du possible. XP, du coup level. その調子で頼む。Je peux sauver la ville. Je sais pas si j'aurai le temps de changer de perso. Ça. D'ailleurs, petit Imperium save, sait-on jamais. Ouais, c'est bon. Combiné avec une attaque fois 2, c'est une finale. Ah, ça y est trop aussi. Yeah, victoire. ここはひとまず退散だ。敵将打ち取った。いや、お前たちが来てくれて助かったぜ。ありがとな。息子、孫一、これが親子の絆ってね。ま、これで貸し借りなしだ。ま、こんなところだろ。Hein? Et ouais, bon. Arrêtez de parler, hein. Juste pour la tribu. Ouais. Moi tout ça. Ah! ケンデ、ケチュエンディアンリプ。兵にも問う。私の命と戦の勝利、どっちを取る。戦の勝利と断言したいところだが、最近あんたの勝率はそうと思い始めてるね。情が打算に勝るか。危険な兆候ではないか。 Ok, alors. Donc là, ça va être autour de Dianwei. Donc je veux Dianwei dans mon équipe. Encore un petit level, pas de chance. Et Xeoba, pas trop levelé non plus. Ce qu'il y a, c'est qu'avec un level 7, je vais pas aller très loin. Je vais monter quand même un peu, parce que... Voilà, maintenant on va lui payer un coup à boire, ça m'étonne. いらっしゃいませ. 本日はどのようなご用件で? Alors, Dianwei, où es-tu? Là. Où? ありがとう。いらっしゃいませ。本日はどのようなご用件で? お、こいつはうめえ酒だな。こっちの料理はどうだ?
ありがとうございました。またよろしくお願いします。Je comprends pas ce que tu veux me dire. Tu veux dire avoir toujours le même type de perso, c'est-à-dire que par exemple une team qui est uniquement remplie de personnages de Dynasty Warrior ou uniquement une team remplie de personnages de Samurai Warrior. Ah, apparemment j'ai eu quelques cristaux. Non, j'en ai obtenu qu'un seul en fait. J'ai eu un cristal. Un cristal, pardon. Un cristal. Donc zombie. Enfin, le sèche-cheveux de zombie. Arme de mer. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Tu voulais dire un personnage qui est au moins un personnage de chaque série. Ouais, mais non, j'aime bien respecter l'aléatoire en fait. Du château d'Ueda, ça doit être quelque part par là. Bon, j'ai très bien réussi la bataille à trois étoiles. Je peux bien réussir la bataille à une étoile, mais le problème c'est que normalement je devrais faire KO, mais je ne peux pas encore. 小田原城陥落の過去を変えるため芝生は時を渡った。目指すのは頼む諸葛官。Tout ce qui est, me demande de garder plus de 30% de ma vie, ça sert à rien de le faire. Muri muda no nai shouri o mezasu. Kore ga kekkou muzukashii. Warewa wa Ueda jō no kyūen ni mukau. Allez, c'est parti. Heishi shogun, fukki seyo. Ano shiro ni bijō ga iru rashii. Kitoraite, tōtaku sama ni kenchō suru no da. なんと立派な城なのだ。炎章様の新たな居城にふさわしい。もう、je pense que ça va être quand même plus simple. Surtout. メッセ。世の混乱に乗じ、城跡を働く非道の輩め、武器粛清してくれる。相変わらずお答えくだる。教えてもらえますか、しばしば。未来で何があったの。俺は諸葛官とたもとを分かっちまった。この戦いには参加せず小田原城に向かったけど、小田原城の救援には間に合わず。俺もすごさを受け、Je sais pas comment tes positions vont organiser ce type de bataille. En fait. Oh, 素晴らしきお働き。頼もしい限りです。T'as un même dans le tas. Hey, やるじゃないですか。下を閉めてないよ。お願いしますよ。マジでなるね。
Incroyable, ce croyant. Tu m'as dit, c'est pas eux. Je ne vais pas te faire. Je ne Ouais, en fait, Wang Yuanji, on peut imaginer qu'elle a un sort qui lui permet de rematérialiser, rematérialiser les dagues dans ses mains directement une fois qu'ils sont jetés. Alors, il va falloir que je me dépêche de battre Yuan Shao parce que si mes souvenirs sont bons, Wang Yuanji va vite se retrouver encerclé. Une résolution 16/9. Si je crois que ça, je crois que c'est possible, mais je sais pas pourquoi. Pour une fois, ils m'ont pas proposé de mettre les résolutions que je peux mettre d'habitude. Du coup, j'ai pas insisté, mais pour la prochaine fois, je vérifierai ça plus en détail. Normalement j'ai pas eu à utiliser les autres persos. Normalement je devrais les utiliser mais je suis en hard donc je m'économise comme je peux. Ouais, moi, il n'y a pas grand chose, Yuan Shao. Ça va quand même changer sur le coup. Yoma to futo no kyo. C'est un meuse ou fail. Je vais bouger, je vais aller choper Wang Yuanji. Il est où le cheval? これだけならいい。敵に援軍でもあると厄介だ。おお、一段と冴えておいでですな。4e, 3e, 4e. Oui, c'est mieux en 16e. D'habitude, je suis aussi en 16e. Chun Yu-kyung, c'est aussi le mec qui s'est fait couper le nez, les oreilles et les jambes, je crois. Il est obligé de ramper pour retourner au camp de Cao Cao. Ah, donc où est-ce que je vais lui mettre comme... Oh, c'est vrai que j'ai pas réfléchi à ça, ce que je vais lui mettre comme arme. Qu'est-ce que je pourrais lui mettre? Peut-être celle de Zutai, vu que j'aime bien ce type de combat. Ouais, je pense que je mettrais celle de Zutai parce que je me vois pas me mettre une lance. Elle est épée toute simple, je trouve sympa, mais pas plus. Bonjour. Tiens. Il a évité son propre nom.
邪魔はさせない。 Voilà ce que ça fait quand tu l'envoies sur les autres. バカ、これは何かの間違いだ。聞いてよ。 Alors ça va。触りな虫どもめ、全員潰してくれるわ。竹中殿より伝令、高校の確保に成功とのこと。まあ、パスポートしそうです。過去は確かに変えられる。俺たちは未来を取り戻せる。L'arme de Ganymede. Non, l'arme de Ganymede, en plus, ça va devenir un fléau. J'aime pas les fléaux. Ah ouais, sinon il y a les deux, il y a les deux épées, mais bah. Non, franchement, je préfère peut-être l'arme de Zutai. C'est vraiment le style qui me correspond le mieux. Il a parlé d'Enzo là. Ah oui, non, les deux mesures, on peut choisir la mesure de n'importe quelle arme. J'avais pas compris ça comme ça, je croyais que c'était les mesous en fonction de l'arme. Non, bah non, si je lui mets des mesous, je lui mets le mesou de ses armes, parce que sinon ça va faire con. Zuyu en sabre des anciens, putain. Bah d'ailleurs, Zuyu c'était mon personnage préféré avant qu'il lui mette le bâton, enfin au niveau des attaques. さすが。見事。ほう。Ouais, non, ça serait trop con si je mettais une autre arme en mesure. Ardienne ou Ekatuan. Mais nos outages, il y a plus d'udan marané. Mais nos outages, dans l'autre monde, je t'ai tué, Dian. C'est bon, Jaxu, c'est devenu un ouais, il fera plus de mal, Dian, ouais. Vous voulez pas mettre une spear, monsieur Chronique? Genre celle de Zaryum? Sinon, bon. Bon, allez, on va refoutre Kanbe dans l'équipe. J'aime pas trop, mais. Et l'autre? Tada Katsu. Allez, Iksamani Oitewa Tada Katsu no Mi. Voilà. Irasshaimase. Hondits wa dono yona goyoke? Alors.
Ouais, faudrait que tu testes. Comment ça, t'as Dakatsu qui vient de Kessen? Pourquoi j'ai choisi Tadakatsu? Bon, c'est pas grave. J'étais complètement à l'ouest et du coup j'ai choisi Tadakatsu comme un crédit. Ah oui, tous les personnages de Samurai Warrior étaient dans Kessen avant, vu que Kessen est sorti avant. Mais ils les ont modélisés carrément différemment dans Samurai Warriors. Il y a également Kessen 3 où on voit plus la période de Nobunaga. Mais Ieyasu Tokugawa, c'est... On voyait beaucoup sa période dans Kessen 1. Donc forcément, on devait voir Tadakatsu. Je sais pas s'il y avait Ina et tout ça, par contre. J'ai pas beaucoup joué au premier Kessen. J'ai surtout joué au 2 et un petit peu au 3. En fait, j'ai jamais réussi à finir le 3 tellement il est dur. Dans le premier Kessen, il devait y avoir surtout les personnages de toute façon de la période où il affrontait Mitsunari. Forcément, il y a beaucoup de persos que tu pourras pas voir dans Kessen 1 qui sont dans Samurai Warrior. Mais Kessen 3 ça complète. Et dans le 2, c'était Dynasty Warrior. C'était la période des trois royaumes quasiment complète. Qu'est-ce que je voulais faire avant de commencer la bataille? Je sais plus. Non, bah je tiens. Ah, c'est bien. Alors le premier Kessen, je pouvais pas trop y jouer étant donné que j'avais joué aux 2 et aux 3 entre temps et le système de combat dégoûte un petit peu. Alors j'ai tiré au sort la bataille numéro 71. Ça va pas être facile d'aller la chercher ça. En plus, c'est super d'abord. C'est celle-là. Et donc je vais jouer donc en normal. Ce sera déjà pas mal parce que ces batailles-là peuvent donner le fil à retordre pour les teams. Donc oui, vous pensez que vous aurez aussi une arme secondaire, donc vous pouvez le prendre à mesure de répondre à cette arme secondaire aussi. Pas faux. Oui, pas faux, je pourrais faire ça. Mais je sais même pas ce que je vais mettre en arme secondaire. Donc je sais pas. Je sais pas, je l'ai pas vu Masanori dans Kessen. Ah, j'ai oublié de faire la fusion des armes. Tant pis. Tadakatsu et Aspifo. Lol, les armes DLC. Je sais pas. Ah mais non, j'ai mal fait mon GNA là. J'aurais dû choisir l'une des trois qui se trouve ici, mais pas... Oh putain, je vais pas taper un temps de chargement juste pour ça. Tant pis, la prochaine fois je ferai bien.
Ah, ok, c'est moi.